Bonjour chers amis, et oui c'est promis, malheureusement promis, c'est un constat qu'il nous faut faire, je ne vous parlerai plus de Coupe de France, un bon moment, la page est tournée, et à défaut d'éclaircir dans l'immédiat notre horizon, en tout cas elle met clairement les objectifs, l'objectif, celui du championnat, alors que notre situation n'est pas mirobolante certes, mais elle n'est pas à ce point désespérée, car on a parfois trop tendance à penser que nous sommes bien avancés dans la saison. Eh bien non, ce mercredi ne sera question que de 18e journée du championnat. Et ironie mise à part, dans ce contexte un peu morose, il faut le dire, quelque chose me fait dire que nous ne serons peut-être pas si seuls que ça au coup d'envoi à l'Allianz Riviera. Eh oui, parce qu'à bien y regarder, cette équipe de Nice n'est pas plus en forme et pas plus optimiste, elle n'a pas plus de raison en tout cas que notre équipe. Aujourd'hui, il faut regarder d'abord, surtout et avant tout, et apprécier et mesurer l'importance des 4 points que nous avons d'avance sur le premier relégable, plus que ce même écart qui nous sépare des Niçois. Une équipe de Nice qui a déchanté, elle était très ambitieuse en début de saison, au fil des semaines, elle a vu ses objectifs s'éloigner, et aujourd'hui, c'est une dynamique très moyenne qui anime la formation qui a changé d'entraîneur. C'est un peu la panique un peu partout, parce que c'est une saison, faut-il le rappeler, à 4 descentes, et même l'entraîneur Lucien Favre a été remercié, remplacé par Didier Digard, un ancien joueur de l'OGC Nice et qui aura pour mission bien sûr de revigorer un peu les aiglons. Romain Pitot, lui, il le sait, maintenant il aura des choix à faire pour faire en sorte bien sûr de tenir tête et de poser des problèmes à une équipe niçoise qui, paradoxalement, avec ses 4 points d'avance qu'elle a sur nous, aura pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. C'est d'ailleurs une équipe qui est très peu performante à l'Allianz Riviera, et c'est donc dans cette optique-là de tenter un coup, parce que maintenant nous allons toujours tenter un coup. Je le répète encore une fois, nous n'avons pas atteint la fin des matchs allés. Il y aura du temps pour s'améliorer, du temps pour progresser et améliorer aussi notre situation au classement. Voilà, ce déplacement à Nice, c'est ce mercredi soir à 21h, et c'est le début de la rédemption pour l'équipe de Romain Pitot. Il faut qu'elle prenne des points maintenant, à Nice comme 3 jours plus tard, contre Nantes. Semaine donc très importante pour notre formation. Rendez-vous à l'Allianz Riviera, coup d'envoi 21h.